Alors là, j'ai un banc. Il y a une grosse controverse sur les bancs. Est-ce qu'il faut un banc très fin pour avoir une amplitude maximum, par exemple au pec, pour pouvoir descendre à fond les bras et puis s'arracher le pec, ou plutôt moi qui dis que il faut un banc très large justement pour réduire un peu l'amplitude et l'étirement sur les pecs et que ça fasse réduire le risque de blessure. Alors là, on a vu un banc qui reprenait un peu ce que j'avais pensé, parce qu'il y a toujours qui veulent des bancs très fins. Donc là, on a un banc très très fin. Et vas-y, maintenant, montre-le. Pour ceux qui sont pas contents comme moi du banc très très fin, on peut l'élargir. Donc, enfin, pour moi, c'est encore pas assez large. Mais donc, on peut. C'est l'idée. Peut-être qu'il y en a qui peuvent reprendre la chose. Donc, on passe d'un banc très 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 fin à un banc plus large. Et moi, je pensais un banc un peu plus large, un banc beaucoup plus large, pour satisfaire tous les clients, y compris ceux qui veulent s'arracher et se blesser avec des pathologies qui mettront fin à leur carrière.